Elle est avec nous. On est très très content de la voir. Mentissa, style d'énergie. Bonsoir Mentissa. Bonsoir. Bon, t'es ici chez toi maintenant, tu connais. Hein. C'est vrai, je connais un peu. Mais tu me disais que ça te changeait un petit peu de venir le soir plutôt que c'est le matin. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de matinales chez Énergie, c'était dur. C'est un peu moins de venir le soir. Mais après, voilà. Au rappel, l'album La Vingtaine toujours disponible. Le concert aussi, bientôt à la Madeleine de Bruxelles, le 13 avril. Et puis surtout, dans quelques minutes, tu seras juste à côté en Énergie Live Session. Après Angèle, Hamza, Stromae, après Sopra. Kenji, comment tu te sens? Ça fait plaisir de passer après tous ces grands artistes. Ouais. C'est trop bien, je savais pas en fait. Donc maintenant je me sens comme une grande dame, voilà. Et ben, tu vois, en plus il y a les fans qui sont là, qui attendent depuis longtemps en plus devant Énergie pour te voir chanter. Ça change quelque chose de chanter devant une poignée de fans plutôt que des milliers? Ah, ça fait peur. C'est vrai, ça fait plus peur. T'es plus stressée là maintenant que quand tu fais des gros concerts? Ah, oui, parce qu'en fait quand il y a beaucoup de monde, en fait il y a tellement de têtes que finalement tu relativises. Tu sais pas s'il y a 150 ou finalement 300 personnes. Quand il y en a, on va dire 50, tu les vois. Tu vois toutes les réactions, si ça plaît, si ça plaît pas. Ah, moi j'ai trop peur. Genre, quand je dois juste chanter, genre juste devant ma maman toute seule, je suis trop stressée. Si vous avez des questions pour Mentissa qui est avec nous quelques minutes avant l'Énergie Live Session, on vous mettra plein de stories d'ailleurs sur Énergie Belgique. Allez vous abonner sur Instagram, 0800 23456 pour les questions. Coco. Yes, on en parlait juste avant en antenne, tu me disais que tu passes un peu plus de temps en France qu'en Belgique. Du coup, est-ce que c'est une pression supplémentaire de revenir jouer en Belgique là actuellement? Non, c'est un plaisir. Ça va faire du bien de revenir à la maison. Ça fait du bien, voilà, tout à fait. C'est le public français est différent du public belge ou pas? Bah, difficile à dire, j'ai pas encore beaucoup joué devant le public belge. Pour l'instant, je peux dire que c'est kiff. Le public belge, il est hyper généreux, donc c'est trop bien. Depuis un an, c'est incroyable ce qui t'arrive. Est-ce que tu t'attendais à ce succès? C'est la folie depuis un an, depuis la diffusion sur Énergie, le single d'or. Ben non, je pense que même si on veut, on peut jamais s'attendre à ce que ça marche aussi bien. Donc voilà, maintenant on va juste espérer que ça continue. Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Ça a été quoi le plus magique? La nomination Victoire de la musique, ça a dû être incroyable. Incroyable, je sais pas, j'ai pas là tout de suite un moment. Il y en a eu tellement plein, des petits moments tellement touchants, émouvants, que j'ai adoré vivre. Tu ne sais pas en retenir juste un? Si, je pourrais dire, je pense, la dernière date en tournée avec Vianney, où ils m'ont fait une petite surprise pendant ma prestation. Ils m'ont ramené des fleurs, donc forcément j'ai craqué, comme ça, pleuré et tout. Mais c'était un moment très émouvant, vraiment. Et Vianney, justement, ça a été ton coach dans The Voice, t'es resté très proche de lui, je crois. C'est lui qui t'a écrit Evan, d'ailleurs. Et qui m'a écrit Mamma Mia aussi. Et Mamma Mia. Et il y a d'autres projets en cours. Quelle relation t'as avec lui? Vianney, c'est comme un grand frère. Vraiment, Vianney, comme j'aime dire, c'est quelqu'un que j'ai juste de la chance d'avoir, c'est quelqu'un de proche que je peux appeler quand j'en ai besoin, donc c'est juste, voilà. Tu te sens en connexion musicalement avec lui aussi? Mais bien sûr, musicalement et puis humainement, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Voilà, j'aspire un peu à être le type d'artiste et de personne qu'il est. On t'a connu grâce à The Voice, on le disait. Est-ce que tu penses que sans l'émission, t'aurais réussi à percer quand même? Parce qu'il y a aussi les réseaux qui t'ont fortement propulsé. Oui. Je sais pas. Moi, je crois au destin. Forcément, j'aurais peut-être pu essayer de trouver un autre chemin, rentrer par la fenêtre. Mais non, je suis très contente de comment mon histoire s'est écrite avec aux côtés de Vianney. Je trouve que c'était une très belle manière de me faire connaître au grand public, en tout cas. Et t'as encore des contacts avec des anciens de The Voice, des candidats? Bien sûr, il y a vraiment des personnes qui sont devenues des amis proches. Je suis en contact avec Edgar, avec Nico, avec Wail, avec Tariq. Oui, on est une grande famille, oui. Salut Mentissa, moi je voulais savoir si tu es prête à gagner l'Eurovision pour la Belgique. J'adore cette question. Parlons-en. Alors c'est trop marrant parce qu'il y a 2 ans, je pense que c'était mon rêve de représenter l'Eurovision, de représenter la Belgique à l'Eurovision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus forcément une envie. Si ça m'arrive, je pense que ce serait cool à faire. Mais là voilà, je pense que j'ai tellement d'autres choses que j'ai envie de faire. Mais tu dirais pas non si on te propose? Oui, quand même. Non, je crois pas. Quand mais nous, même. On veut gagner. J'adore. Si vous avez des questions, on vous attend sur le WhatsApp. Alors il y a le troisième single qui vient de rentrer en playlist sur Énergie, c'est Mamma Mia. On vous en a passé un extrait, on se l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure. Et évidemment tu vas chanter ça dans un instant pendant la Énergie Live Session. Et ça tranche un petit peu avec les deux premiers singles qui étaient sortis, avec Balance et Bam, qui étaient plutôt dans un registre triste. Là on est plus joyeux.
C'est ça, mais c'est important. Je pense qu'il faut, voilà, il faut faire. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on est artiste, mais on faut qu'on fasse un peu de tout. Ouais. Il faut que les gens qui t'aiment, ils vont te suivre de toute façon, peu importe ce que tu décides de faire. Je pense qu'on va dire que la ligne, le fil rouge de mon album, c'est ma voix, mais on n'est pas à l'abri de oui, moi qui demain peut-être que je ferai de l'électro ou de la house, oui. Je sais pas. Alors, je suis ambitieuse. Ah oui, tu t'interdis rien. Non, pas du tout. L'histoire de Ebam, est-ce que tu peux nous la raconter puisque elle est très belle, c'est Vianney qui l'a écrite. Tout à fait, c'est Vianney qui me l'a écrite à la fin de l'émission The Voice parce qu'il fallait que je présente une composition originale et il m'a dit bah écoute, je te l'écris avec plaisir. Je pense que c'était un petit cadeau qu'il me faisait. Qu'est-ce que tu t'es dit quand il t'a dit ça? C'est fou, Vianney qui t'écrit une chanson, t'as bien sûr, avoir des étoiles dans les yeux. Mais j'étais trop contente. Je me suis dit bon, j'espère qu'il va quand même écrire un truc là qui me va quoi, ouais. Quand même. Mais j'avais pas trop d'inquiétude parce que je savais que Vianney. T'aurais pas osé lui dire non de toute façon. De toute façon, je pense que c'est super. Dans tous les cas. Mais heureusement pour le coup, je trouvais ça vraiment super. Et puis voilà, ce qui est beau, c'est qu'il a réussi à trouver les mots justes pour décrire qui je suis. Mm-hmm. Et vous envisagez encore de travailler ensemble? Vous l'avez fait sur Mamma Mia, tu l'as dit. Mais bien sûr, je pense qu'avec Vianney, on planifie rien et on se prive rien. Donc je pense que oui, ça va se faire naturellement et peut-être que ça se fera pas. Et dans tous les cas, c'est OK. Alors voilà. J'en connais un qui adore cette chanson, et bam, c'est Koé, avec qui j'ai travaillé, je sais pas si tu sais, la saison dernière. Et c'est vrai qu'il adorait, mais il vannait sur le décalage entre le hit et l'émission, qui est plutôt calme le hit, et l'émission un petit peu plus fofolle. Oui. Et du coup, j'avais envie, si t'es d'accord, évidemment, qu'on l'appelle. Ah, bien sûr. Qu'on lui fasse une petite surprise. C'est notre façon à nous de fêter le retour de la méthode Koé, on vous l'a annoncé hier. Oui. On l'appelle? On l'appelle carrément. On l'a pas prévenu, j'espère qu'il va décrocher, sort d'émission. Ah oui. Vas-y mon Jeff, fais le numéro. Compose Jeff. Je compose. Alors, je dis bonjour ou je... Non t'inquiète, je vais lui parler. Ça sonne. Si vous avez des questions, allez-y sur le WhatsApp, on les lira dans un instant. On nous demande quel est ton plat préféré. Pizza. Messagerie Orange, bonjour. On va lui laisser un petit message. N'est pas disponible. Oui. Veuillez laisser votre message après le bip. Mon Koé, c'est Mike de Belgique. J'espère que tu te souviens de moi, le gars qui essaye de tuer sa belle-mère. Je me permets de t'appeler, on est à l'antenne. Et je voulais te faire un petit kiff pour fêter le retour de la méthode Koé à la télé. Je voulais fêter ça en musique avec quelqu'un que tu adores et que nous aussi on adore, dont on est fan. Vas-y, ben, dis ça. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Voilà. Ben merci, ouais, j'adore. Ça, c'était magnifique. Voilà, bisous mon Koé, c'était Mentissa qui, je sais, a une grande place dans ton cœur et dans ta playlist. Salut, Mentissa. En tout cas, un mot sur le hit Balance aussi, qui est l'un des derniers. Le texte est très très fort. Tu dis oui. Dedans, en gros, que t'as réussi à te libérer de tous tes complexes, c'est ça? Tout à fait. Enfin, que je sais, en tout cas. Ouais. Est-ce que la célébrité, ça t'aide ou pas du tout? Non, pas du tout, je pense. C'est vrai? Non, parce que du coup, on se voit tout le temps sur les réseaux et tout, et je pense que c'est encore pire. Du coup, parce qu'on se regarde en permanence, donc on se juge encore plus. Et justement, voilà. les réseaux, ils sont comment avec toi? C'est plutôt dans la bienveillance? On sait que ça peut très vite vriller. Oui, non, pour l'instant, on croise des doigts, c'est plutôt dans la bienveillance. Il n'y a pas de haters? Non, pas encore. Et puis, s'il y en a, écoute, tant pis pour eux. Hein. Moi, je vis bien ma vie. Hein. Ouais, qu'ils apprennent leur cœur, j'ai envie de te dire. Hein. Les dernières questions, je ne sais pas, Coco, si tu en as? Mais moi, je voulais savoir, du coup, avec quel artiste t'aimerais vraiment collaborer, du coup, en dehors de Vianney? Mais vraiment, genre, ce serait ton artiste qui te ferait le plus kiffer au monde? À l'international? Par exemple, oui. Alors, ça n'arrivera jamais parce que je pense qu'elle n'a jamais fait de feat, mais bien sûr, Adèle. Ah ouais, la plus grande fan d'Adèle. Incroyable, ce serait voilà. Bien, ça. Mais bien sûr, mais jamais. Mais pourquoi pas? Mais parce que je pense qu'Adèle n'a jamais fait de feat avec personne, il me semble. Une voix aussi qui porte extrêmement forte comme la scène, vous avez un style qui se ressemble un peu, moi je trouve. Donc, l'espoir fait vivre pas. En tout cas. C'est vrai. C'est quoi les projets? C'est quoi la suite pour toi? Il y a la tournée qui arrive? C'est ça, c'est surtout la tournée. Et puis je pense, pas tout de suite, mais en tout cas de la musique, de la nouvelle musique, on veut. Voilà, on crée, voilà. Et avec un deuxième album peut-être? Alors pas pour tout de suite, si mais bien d'abord, sûr. Ouais, le... Voilà, on va déjà commencer à voilà. Ouais, à bosser celui-ci. Puis... On te retrouve le 13 avril à la Madeleine de Bruxelles, le 14 octobre au Théâtre Royal de Mons et le 16 novembre au Cirque Royal, qui est une scène magique. Et tu l'as déjà fait le Cirque Royal? Jamais. Jamais? Non, mais j'ai pas fait beaucoup de concerts encore dans ma vie. Hein. Donc j'ai là, fait seulement 6 concerts. Donc. Ça va être une grosse année niveau concert pour toi. C'est ça. Évidemment, on continuera de vous en parler sur Énergie, que ce soit chez nous ou chez Julie. T'attends le matin. Qu'est-ce que tu as juste à dire à tous tes fans qui t'écoutent ce soir peut-être sur Énergie et qui n'ont pas réussi à avoir de place, qui doivent être dégoûtés parce qu'ils ne vont pas pouvoir assister à la Énergie Live Session? Il y en a vraiment, désolé pour vous. Et puis, écoute, au pire, je reviens le mois prochain. Voilà. Allez, et puis, non, surtout, merci à toutes les personnes qui m'écoutent parce que je sais que si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à toutes ces personnes qui me soutiennent et qui me portent depuis 2 ans maintenant. Donc, merci, cœur sur vous et à bientôt peut-être. Cœur sur toi, Mentissa. On a été ravis de t'avoir. On te souhaite que du succès et merci. Fais les rêver dans quelques instants.
l'instant, ça commence. Énergie Live Session. On vous met toutes les stories sur l'Instagram Énergie Belgique. Des gros bisous, Mentissa. Merci beaucoup. Bye.